Bonjour! Alors! Oui, alors, je suis le petit frère de Clidéon, hein. Je suis lui, mais en plus jeune. C'était très, très gênant. Bonjour! Donc oui, effectivement, je n'ai plus de barbe, j'ai perdu à peu près 5 ans, hein. On dirait que je sors du lycée, ou alors que je vais peut-être aller à l'école après la rentrée. D'ailleurs, c'est bientôt fini, hein. Profitez bien des vacances. Et pour continuer, nous avions donc déjà 2 vidéos sur ce thread. Vous l'avez kiffé, vu que sous toutes les vidéos, vous nous demandez la suite, hein, en mode mais c'est quand qu'il arrive? Tu nous laisses poireauter pendant 5 jours? Vous inquiétez pas, ça arrive. Et maintenant, ce sera une vidéo thread par semaine. On va essayer, si jamais vous arrivez à chaque fois sur l'objectif de continuer ce thread là. Si c'est pas le cas, on partira sur un autre thread. C'est à vous de décider pour le coup sur ça, vu que c'est un truc que vous appréciez visiblement énormément. Et du coup, résumons pour ceux qui débarquent un petit peu sur cette 3e vidéo de cette série. Dans les 2 dernières, nous avons découvert Bébert, un mec un petit peu au chôme du qui n'a pas de logement, qui un jour va chercher son pain dans une boulangerie, trouve une affiche en mode oui, alors on cherche un locataire pour un truc super grand là, avec un loyer extrêmement bas, donc ça sentait l'arnaque, mais il y est quand même allé. Il a rencontré un proprio très chelou. Ça s'est vraiment passé de façon très random, c'est-à-dire que le proprio lui touchait les abdos. Est-ce que vous faites du sport? Oui, non, bonjour. Est-ce que vous êtes célibataire? Pratiquez-vous le sexe anal? Bon, ça, il l'a pas demandé, mais on peut se douter qu'il y a des trucs. Et du coup, il emménage. Dans le 2e thread, il rencontre sa voisine nommée Aude et va l'inviter à sa pendaison de crémaillère qu'il n'avait pas du tout prévu de faire, donc il va galérer. Il va en organiser une un petit peu à la va-vite avec tous les gens qui l'ont hébergé. La soirée se passe, ça se passe très très mal. Le proprio prend la mouche, interdit toutes les soirées dans l'appartement, et le soir même, Aude lui envoie un message sur Facebook qu'il fallait qu'il parle du propriétaire. Et avant de continuer, j'ai posé l'objectif de like directement. On va passer à 2000 likes. Oh mon dieu, tu as multiplié par 2. Sauf que mine de rien, les 1000 likes, vous les faites sous chaque vidéo, et sous les vidéos thread, vous arrivez carrément aux 3000 likes. Donc vous pouvez largement le faire. On vous fait confiance sur ce coup-là. Puis n'hésitez pas, vous pouvez également vous abonner si en plus ça peut nous amener sur du bon référencement et peut-être une tendance. Ce serait pas mal. Parce que c'est vrai qu'on commence à en avoir marre d'avoir des gamines de 7 ans qui achètent des iPhone X. Tuez-moi. Parce que moi j'ai pas ce putain d'iPhone X. Générique. Le comportement du proprio avait visiblement pas mal dérangé Aude, et c'est pour ça qu'elle était d'ailleurs allée sur Facebook pour parler avec Bébert. Et c'est pour ça qu'elle lui donna rendez-vous assez rapidement, en mode, est-ce que tu peux peut-être lundi? Donc Bébert fait genre qu'il a un agenda ultra chargé, donc il fait comme ça, tac, 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 exactement comme ça parce qu'il n'a pas d'agenda, hein, on se rappelle qu'il est au chôme du, et dit oui pour lundi le plus tôt possible. Et se donne donc rendez-vous en extérieur dans un café, histoire que le propriétaire ne sache pas de quoi il parle, parce que les murs sont relativement fins dans l'appartement, et donc le propriétaire pourrait tout à fait entendre leur conversation. Bébert est un petit peu mal à l'aise, pour ne pas dire totalement gêné, quand il arrive au café avec elle et se demande ce qu'ils vont commander. Elle lui dit bon, alors il est trop tard pour un café, mais trop tôt pour une bière, du coup, bah je vais prendre un Perrier. Bébert, qui ne kiffe pas du tout les Perrier, qui voulait genre un cocktail ou une binouze, un truc comme ça, va dire bon bah je vais prendre la même, ça va être génial. Et commence alors une petite discussion, hein, des petites sympathies, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oh bah moi je suis en recherche. Ah, tu fais de la recherche? Ouais, de la recherche d'emploi, dit Bébert, ce qui est pas tout à fait faux dans un sens. Et après il lui demande ce que elle fait. Elle dit wow, je bosse sur internet. YouTube, ça c'est soit YouTube, soit blogueuse, soit camgirl, ou les trois en même temps, on ne sait pas. Bref, la conversation part un petit peu, divague un petit peu, et le sujet principal revient assez rapidement, le propriétaire. Ah, tu pensais trompette? Eh bah pas du tout, batterie. Elle commence donc à aborder le sujet du propriétaire, qu'elle ne considère pas comme étant un méchant gars, juste un mec peut-être un peu trop protecteur de ses locataires. Ouais, Bébert a pas l'air de trop avaler ça, et elle continue en mode ouais, non, bon, c'est vrai qu'il est un peu bizarre. Et Bébert lui demande si elle aussi a eu le droit à des remarques sur son physique, sur sa façon d'être, son hygiène de vie. Elle lui dit non, il m'a juste dit d'être en bonne santé. Et après, il déconne un petit peu sur le fait que le propriétaire ne dise pas de rien, mais mon plaisir, qui est une traduction anglaise totalement foireuse. Ta gueule, Clidéon. Bébert, un petit peu en mode chien de la casse, mais pas trop, lui demande si elle a déjà vu la fille du propriétaire. Ce à quoi Aude lui répond que non, mais par contre qu'elle avait déjà entendu de la musique de vieux sortir de l'appartement de la fille du propriétaire. Et c'est marrant parce que Bébert aussi l'avait entendu et pensait que c'était Aude, et c'était d'ailleurs pour ça qu'il avait foutu du jazz. Et quand elle lui fait remarquer, il était très gêné et il change de sujet assez rapidement. Il lui demande donc si le propriétaire était déjà rentré chez elle sans son accord. Elle lui dit que non,
ou alors qu'elle ne s'en souvient pas. Et la conversation continue jusqu'à ce qu'elle aborde l'ancien locataire de l'appartement de Bébert qui a disparu de manière un petit peu chelou. Un jour, elle a entendu des bruits bizarres, des meubles qui bougent, des traces de lutte, beaucoup de bruit à l'étage, donc là où Bébert se situe actuellement. Puis tout d'un coup, le silence et des petits bruits effacés comme quelqu'un qui descendait les escaliers sans vouloir faire trop de bruit. Le lendemain, Aude était allée voir le voisin du dessus, qu'elle a appelé Sam. Au moment où elle toque, quelqu'un vient ouvrir à la porte, mais ce n'était pas Sam, c'était le propriétaire, qui avait des sacs poubelles un petit peu partout dans l'appartement, et il en tenait quelques-uns, bref, il en avait vraiment énormément. C'est un peu chelou, c'est vrai, peut-être assez de sacs pour tenir un corps, mais Aude n'a jamais su ce qu'il y avait dedans, donc ça restera des suppositions dans l'esprit de Bébert. Bébert qui d'ailleurs se rassure en se disant « Bon, ça va, moi, le propriétaire, jamais il me maîtrisera. » Et voilà, Aude lui casse tous ses espoirs en lui disant que bah il était plus musclé que lui, hein, le Sam, et que si lui s'est fait maîtriser, il se fera défoncer la gueule par un cabri unijambiste. Bon, forcément, ça vexe un petit peu Bébert, qui dit que bah il va faire des recherches sur Sam, tant qu'à faire, hein, grâce à Facebook, qui est l'outil de stalking ultime de nos jours. Et finalement, ils continuent un petit peu à parler de tout et de rien, ils font connaissance, voilà, je te connais, je ne te connais pas, bonjour, au revoir, peut-être pouvons-nous faire plus ample connaissance. À la fin du débat, à la fin de la discussion, ils vont tout simplement partir se séparer et ne pas rentrer ensemble pour ne pas éveiller les soupçons du propriétaire. Bébert va payer les deux perriers que les deux se sont tapés, ce qui fait quand même 10 balles hein, dans un bar à Paris. Et sur le chemin, Bébert se pose la question, comment est-ce qu'il va trouver des informations sur Sam? Il n'a pas son nom de famille, il ne sait pas à quoi il ressemble. C'est un petit peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Il arrive à l'appartement, il pousse la porte et tombe nez à nez avec le propriétaire. Alors là, Bébert n'est pas bien du tout. Le mec transpire à grosses gouttes, un petit peu comme moi sous ses projecteurs, et panique un petit peu en repensant à la discussion qu'il a eue avec Aude juste avant. Le propriétaire, l'air de rien, lui demande s'il voulait bien changer le nom de la boîte lettres, parce que comme un gros galérien qu'il est, Bébert avait juste écrit son nom sur une feuille avec un stylo. Et là, Bébert a une illumination. Le nom était sur l'étiquette, derrière son propre nom. Pendant qu'il percute, le propriétaire lui dit qu'il l'avait vu, lui et Aude, discuter. Et lui dit même qu'elle avait un métier atypique. Qu'elle se filmait pour des gens sur internet. Donc ouais, elle est vraiment youtubeuse en fait là, parce que ça enlève le côté blog, vu qu'il y a des vidéos qui sont dedans, là ça se trouve, Aude, c'est peut-être, je sais pas, Enjoy Phoenix, qui sait. Et il demande aussi si Bébert n'a toujours pas trouvé de travail, et vu que c'est pas le cas, il lui propose s'il ne veut pas participer à l'entretien de l'immeuble. Bébert est un peu réticent, il lui dit pas oui, il lui dit pas non, il fait... Je sais pas... Et il continue à parler un petit peu de Aude. Donc de son métier, de potentiellement youtubeuse, camgirl, voire les deux en même temps. Ça discute, et à la fin, le propriétaire va retourner chez lui, vu qu'ils sont au rez-de-chaussée. Il ouvre la porte et se retourne une dernière fois vers Bébert, et lui demande pardon pour la soirée, qu'il était vraiment désolé, et qu'il savait qu'il n'était pas drogué, qu'il pouvait lui faire confiance. Alors là, pour le coup, même s'il y a vraiment raison à panique, à savoir qu'il y a eu une confirmation qu'effectivement il n'avait pas de drogue dans le sang, Bébert, ça lui est passé par là. Lui, il était omnibulé et voulait savoir absolument quel était le nom de Sam pour pouvoir faire ses recherches. C'est-à-dire que du moment où le propriétaire a refermé la porte, il a foncé sur la boîte aux lettres, enlevé l'étiquette, regardé le nom, remémoré le truc, remis l'étiquette et il s'est barré instantanément vers chez lui. Le problème, c'est qu'il a entendu sur le retour des petits bruits de pas venant de l'appartement du propriétaire. Il y a fort à parier que le propriétaire l'observait par l'œil de bœuf. Une fois arrivé dans son appartement, il va sur Facebook et rentre le nom et prénom de Sam. Il trouve trois correspondances, un mec un peu trop vieux, un espagnol et un mec qui par défaut pourrait correspondre aux critères pour trouver la bonne personne. Il va donc le contacter. Il lui envoie un petit message en mode « Salut, on ne se connaît pas, mais j'ai pris ton appartement dans le 12e. Est-ce qu'on peut discuter ?» Donc sans surprise, il n'a pas de réponse, donc soit le mec est effectivement mort, soit c'est juste un connard. En attendant une réponse hypothétique de la part de Sam, il va continuer à faire des petites recherches sur Aude, peut-être trouver sa page YouTube ou son petit lien de camgirl. Bon, je vous cache pas qu'à sa place, en vrai, j'aurais peut-être fait pareil. On s'entend bien, il y a une bonne entente, je vais en apprendre plus sur toi. Quel est ton bonnet, peut-être? Non, aucun rapport. Toujours est-il que 5 minutes plus tard, il reçoit étonnamment une réponse de la part de Sam. Commence alors une discussion un peu gênante à base de « ça va, oui, c'est cool ». Et apprend notamment que Sam aurait obtenu un poste à Rome. Et c'est pour ça qu'il s'est barré aussi précipitamment au milieu de la nuit, sans vouloir faire trop de bruit après avoir entendu des bruits de lutte. En fait, il le prend vraiment pour un con en fait, mais c'est vraiment violent. N'importe qui, n'importe quel débile pourrait comprendre que c'est fake. Bébert a quand même quelques doutes, il se dit qu'il est quand même teubé, c'est vrai que c'était une possibilité qu'il n'avait pas forcément envisagée, et Sam lui demande s'il n'a rien oublié dans l'appartement.
Bébert fait, bon, non, je crois pas, à moins que c'est toi qui avais posé les lattes et que tu voulais les garder. Toujours est-il qu'un très gros malaise s'installe entre les deux personnages. Bébert va quand même lui demander, est-ce qu'il sait des choses sur le propriétaire ? Ce qui est totalement inconscient, sachant qu'il ne connaît pas du tout la personne et qu'il ne l'a jamais vue en vrai, mais pourquoi pas? Donc il lui demande et le mec lui dit non, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc Bébert s'excuse de l'avoir dérangé, lui dit que c'est rien, non, ça va, désolé de vous avoir dérangé, et Sam lui répond, mon plaisir. Et c'est sur ce cliffhanger insoutenable que va se finir la vidéo. Ouais, je sais, ouais, encore un cliffhanger sur cette série. Vous en aurez un à chaque fois, hein, je pense, très clairement. Vu la qualité d'écriture de François Descraques, on est sur un level stratosphérique. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de lâcher le like et l'abonnement. Ça nous aide toujours énormément et ça nous aide à savoir si on continue ou pas ces threads. Si c'est le cas, si vous dépassez l'objectif, le rendez-vous sera pour la semaine d'après. Donc inutile de nous spammer dans chaque vidéo, même si c'est vrai que c'est quand même très marrant et c'est assez touchant parce que ça montre que vous aimez bien. On vous le fera, hein. Si jamais c'est dépassé, je vous le rappelle, c'est symbolique, on vous le fait d'habitude assez facilement, donc on vous fait confiance, pas de problème. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, ciao!